Bonjour à tous, nous sommes le 21 mars, vraiment le premier jour du printemps. Nous sommes en ce 21 mars conduits par Jésus à rassembler toute l'histoire de l'humanité dans cette attente du Sauveur. Depuis Adam et Ève, en passant par tous les patriarches, les prophètes, les grands de l'Ancien Testament, et puis jusqu'à Marie, Joseph, Jean-Baptiste, tous ceux qui attendaient la consolation d'Israël. Et c'est Jésus qui vient comme réaliser cette promesse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils pour que le monde par lui soit sauvé. Autrefois, en ce 21 mars, on fêtait la Saint-Benoît. Et je fête toujours cette Saint-Benoît d'hiver, comme on dit, qui se trouve toujours dans le carême. Saint-Benoît, donc on fêtera le 11 juillet comme patron de l'Europe. Saint-Benoît, patron du monachisme occidental. Et pourquoi je fais le rapprochement aujourd'hui avec Saint-Benoît? Parce que dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus, récapitulant toute l'histoire, se dévoile en disant que avant que Abraham s'est réjoui de mon jour. C'est-à-dire que tout tourne autour de la préscience, la préconnaissance qui vient du cœur et l'attente du cœur, le désir du cœur de Jésus, de voir Jésus, de voir, c'est-à-dire Jésus qui veut dire Dieu sauve, de voir Dieu sauver et nous sauver une fois pour toutes. Et aujourd'hui, c'est la même attente, le même désir. Nous pouvons nous unir d'ailleurs à nos frères juifs dans cette attente, ce désir. Ils l'ont, elle est préconçue en eux. Pour l'instant, ils ne voient pas que c'est Jésus, mais ils le pressentent, et en tout cas, ils gardent, ils sont fidèles à attendre. Ah, si tu pouvais déchirer le ciel et descendre avec nous, parmi nous, pour nous sauver. Eh bien, c'est Jésus. Et justement, saint Benoît, dans une vision tout à fait particulière, a vu toute l'histoire de l'humanité, toute la création, depuis la création jusqu'à ses rédemptions, venir à lui comme une terre qui deviendrait toute petite pour être placée dans le soleil de Dieu qui est Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Il a compris que, comme le chante très bien notre I speak Jesus. Oui, je peux m'appuyer sur lui et n'avoir d'autre mot que Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Que ce soit ce mot qui accompagne votre journée, mais j'ai envie de dire qui vous accompagne tout au long de votre vie. Qui a Jésus à tout? I speak Jesus. Il est ma vie, il est ma foi, ma confiance, il est mon amour, il est ma lumière, le chemin, la vérité, la vie. Amen. I speak Jesus. Jésus, Jésus, Jésus.